Donc au premier appel du 144, on nous avertit qu'il y a un attentat, un homme qui a foncé avec sa voiture dans la foule et qui ensuite a fait feu. Donc ça, c'est vraiment le premier message de base et qu'on est apparemment la première ambulance à être contactée. Compris, on part sur un événement majeur. Un homme aurait tiré sur une foule. Réponds. J'ai pas entendu le lieu. Elle a pas dit. Celui-ci a également foncé avec une voiture sur plusieurs personnes. Pour l'adresse, c'est sur le parking de la Tout de suite m'est manufacture. venu le problème de la sécurité sur place et que du coup est-ce qu'on va pouvoir approcher ou pas avec notre ambulance et puis du coup j'ai posé la question au 144 si la police était déjà engagée ou déjà sur site. Je me suis rendu compte quand même de l'ampleur en fait de l'événement. Ça m'a fait penser aussi à ce qui s'est passé ces dernières années à Paris ou ailleurs, et que je pensais bien que ça allait être compliqué, et puis que j'allais devoir travailler avec Confirme ou pas ta plusieurs corps de réflexion dans ce que métier, tu penses. et puis toujours être attentive à ma sécurité. On se met tellement dans le rôle que du coup on a l'impression que c'est réel en fait. Pendant le trajet, bah, déjà j'avais une carte en fait de la région. Du coup j'ai un peu regardé qu'est-ce qu'il y avait autour. Je me suis rendu compte que juste à côté du lieu de l'attentat, il y avait un terrain de foot. Je me suis dit que c'était une bonne option au cas où on devait appeler Réga pour qu'il puisse se poser. J'ai réfléchi déjà à tous les renforts que je pouvais avoir besoin, donc les ambulances, SMUR, Réga. Comme ça me préparait aussi pour mon message méthane. Et puis de voir après aussi avec la police, eux, qu'est-ce qu'ils avaient besoin comme renfort et puis quelle était aussi leur demande. Comme j'arrive sur place, donc on avait eu entre-temps une information supplémentaire du 144, comme quoi l'accès devrait vraiment se faire par un endroit donné pour éviter justement de se mettre en danger. Et du coup, en arrivant sur site, il y a des policiers en fait qui sont sur place. Et avant d'aller vraiment au centre de l'incident, je leur demande si la sécurité, elle est, enfin si c'est en sécurité ou pas. Et puis j'essaie d'avoir des informations en fait sur qui est-ce qui est le responsable au niveau police. J'attends en fait le feu vert de la police pour accéder au lieu. J'avais envie de faire plein de choses, mais en même temps, j'avais pas assez d'informations. Je savais que le 144 attendait mon premier bilan pour pouvoir anticiper mes renforts et autres. Donc, j'essayais d'avoir les informations que je pouvais et j'avais l'impression qu'en fait, tout prenait énormément de temps. Et puis, en même temps, on entendait déjà des cris et on se dit qu'il faut se dépêcher, mais ma foi, la sécurité prime. De regarder la scène, voir estimer un peu le nombre de blessés, le nombre de personnes impliquées ou autres. Ça m'a permis aussi de voir tous les gens qui étaient à terre et qui ne bougeaient pas. Comme ça, j'ai aussi une vision et une estimation des gens qui peuvent être potentiellement urgents, voire décédés. On a d'abord été vers un policier et c'est là qu'on a eu l'information que la zone était sécurisée à 100%, la voiture aussi, mais que la personne qui avait fait feu et qui avait renversé ces personnes était en fuite. Parce que juste à côté, en fait, de l'endroit où on était, il y a un stand de tir. Et du coup, les coups de feu n'avaient rien à voir avec la situation. Ensuite, j'ai envoyé du coup mon équipier, donc Yannick, faire du pré-triage. Et puis le fait qu'il doit me donner des informations, en fait, dès qu'il en a. Et j'avais la chance sur cette situation d'avoir un deuxième équipier que j'ai directement envoyé pour la gestion en fait du parking et de la Grande Noria. On me
traitrieur. Je lui ai dit de faire déjà tous les patients qui étaient couchés et qui étaient impossibles de déplacer, donc qui pour moi sont sûrement les plus urgents. J'ai eu la chance qu'une deuxième ambulance soit arrivée assez rapidement, ce qui fait qu'une autre personne a pu faire du pré-triage. Et du moment où le deuxième pré-trieur est arrivé, j'ai séparé en fait la zone en deux pour qu'on soit le plus efficace au niveau du pré-triage et qu'on aille le plus rapidement possible un bilan concernant les victimes. Je savais qu'il fallait que je trouve un lieu pour faire un nid de blessés ou plutôt nid d'impliqués, plutôt des gens qui étaient choqués et puis impliqués psychologiquement. J'ai demandé donc comme renfort toutes les ambulances disponibles. J'ai préféré lancer les grands moyens et puis voir qu'est-ce qu'il y avait comme ambulance disponible au lieu d'essayer de réfléchir à combien d'ambulances exactement j'avais besoin, vu que je ne savais pas trop. J'ai demandé deux SMUR, j'ai demandé REGA aussi pour un transport rapide selon le plateau technique demandé. J'ai demandé aussi d'alarmer ACS-MCS ainsi que le PMA. Les premiers arrivés sont donc la deuxième ambulance qui m'a servi en fait de pré-trieur. Les différentes équipes qui arrivent sur site en renfort, médecins ou autres. Donc préparer bien mon OIMDE afin qu'ils soient conscients de tout ce qui se passe et vraiment de tout ce qu'ils vont devoir faire. Donc si je le décris un petit peu plus en détail, pour l'orientation, donc leur expliquer quand ils arrivent sur site qu'est-ce qu'il en est de cette situation, qu'est-ce qui s'est passé. Après l'intention, moi quelle est mon intention, qu'est-ce que je veux, donc je veux par exemple qu'on évacue en fait les gens maintenant. Après la mission, donc leur définir leur mission, que ce soit clair et précis, donc par exemple vous allez devoir prendre en charge un patient urgent, vous allez vers mon pré-trieur Yannick et il vous donnera un patient à prendre en charge et ensuite revenez vers moi pour l'évacuation sanitaire. Après les dispositions et les dangers, donc par exemple que la situation actuellement elle est prise en charge par la police, on est en sécurité mais qu'elle peut évoluer. Et pour finir le E de OMDE, donc emplacement, pour savoir où est-ce qu'ils doivent se rendre avec leur patient, donc soit au PMA ou directement dans un hôpital périphérique ou cantonal. Ensuite, sont vite arrivés ACS-MCS et droit derrière, les équipages SMUR sont arrivés. Ok, alors vous avez connaissance de la situation, donc c'est un homme qui a fait une voiture bélier, qui a renversé plusieurs personnes, ensuite qui a entamé une fusillade, donc c'est un seul homme. Les lieux actuellement sont sécurisés par la police, donc on peut agir sans s'inquiéter de notre sécurité. On a potentiellement des victimes, une trentaine de victimes, polytrauma ainsi que plaies par balle. Au niveau de la Noria, donc toutes les ambulances vont être en attente sur le parking derrière et on pourra après en fait les évacuer de l'autre côté. J'ai une de mes collègues qui se gère le parking, donc ça c'est tout bon. C'est un chef parking, donc cuisinier. Ouais, exactement. Okay. Pour la suite, moi j'ai déjà, il y a déjà REGA au niveau d'une médicalisation qui est disponible. Bonjour, j'ai demandé aussi deux autres médicalisations. Bonjour, PMA. La répétition. L'ambulance et chef des secours ainsi que le médecin chef des secours a monté un poste de commandement sanitaire juste un petit peu à côté, à l'écart. L'ambulancier chef des secours m'a demandé en fait de continuer à gérer moi la petite Noria, donc l'arrivée des ambulances, leur attribuer du coup un patient avec le pré-trieur et de leur demander si j'avais besoin d'ambulances supplémentaires. Eux après ont géré en fait tout le reste, donc plutôt le où est-ce qu'allait être mis le poste médical avancé. Que dès que le PMA était monté, j'aurai cette information et je pourrai envoyer du coup mes patients au PMA. En attendant, du coup, on a décidé, étant donné que les lésions des patients étaient possiblement des plaies par balles ainsi que des polytraumatisés, de les envoyer directement dans les hôpitaux. Ce que ces patients ont besoin, c'est plutôt d'un chirurgien et pas qui se vide de leur sang en fait en attendant que le poste médical avancé soit monté. On a
commencé, dès que les ambulances étaient prêtes à partir avec leurs patients, on a procédé à l'évacuation. En attendant que Nevasan soit désigné, c'est moi qui gérais en fait l'évacuation. Donc je récupérais en fait les coupons des fiches SAP et la traçabilité des patients, donc où est-ce qu'ils allaient, avec quelle ambulance. Dans mon premier bilan, j'avais estimé le nombre de victimes à 30 en prenant en compte en fait les patients qui marchent. Sur site, j'avais 6 patients urgents et 2 patients non urgents, mais qui pouvaient potentiellement évoluer en stade urgent. Et ensuite, c'était vraiment des patients plus impliqués ou légèrement blessés. Ils ont tous été pris en charge rapidement, du coup. Et les ambulances, après, sont revenues sur site pour prendre en charge les patients non urgents. PMA a été montée. Vu la situation, donc polytraumatisée, plaie pénétrante, j'avais demandé aux ambulances qui prenaient en charge de faire des prises en charge rapides, ce qui a été fait. Ce qui fait que quand le PMA a été monté, parce qu'il faut quand même un laps de temps pour qu'il soit monté, tous les patients urgents avaient déjà été en fait transportés, ce qui fait qu'il restait en fait tous les impliqués et les non-urgents. Et il y a aussi une unité de psychologue qui a été mise en place par la CS, et qui, à mon sens, était très importante sur cette situation-là. Ce qui fait que le PMA n'a pas eu de patients urgents pour cette situation-là, mais a été quand même important pour tous les impliqués et surtout au niveau psychologique. Mon sentiment après la situation, c'est que je me rends compte qu'avec les informations qu'on a à l'école, ça nous sert de fil rouge, mais qu'après chaque situation elle est différente, donc elle va devoir être, ça va devoir être adapté. On se rend compte vraiment, on a l'impression qu'on communique très bien en fait, mais que on n'a pas forcément les mêmes termes, et que du coup il faut être sûr que l'autre ait bien compris ce qu'on dit, même si c'est du médical ou autre. J'étais quand même contente parce que tous mes patients urgents étaient partis rapidement du site, donc pour moi ça c'était bien. J'étais contente aussi de la collaboration avec le poste de commandement sanitaire. On s'était donné des rendez-vous, on a respecté ces rendez-vous-là, on avait du coup un suivi autant l'un que l'autre de la situation. On se donnait les informations nécessaires, mais sans devoir communiquer tout le temps. Éviter aussi de communiquer toutes les 2 minutes pour trop d'informations, tue d'information. Une bonne collaboration avec le prêtrieur, et ça, je pense que c'est important aussi. Et avec les équipages supplémentaires qui arrivent, j'ai eu des bons équipages qui sont arrivés derrière, qui m'ont écouté, qui n'ont pas essayé de prendre le lead non plus. Ce qui peut arriver, je pense, dans ce genre de situation-là. Et une belle expérience, mais j'espère pas la vivre dans la vraie vie. Enfin, on n'espère jamais un attentat. Mais ça dédramatise un petit peu ce genre de situation.